c'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Djamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nandjou-Abrogoa. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nandjou-Abrogoa en moins de 7 minutes. Tout ça contribue à donner du confort aux populations d'Abidjan et aux populations ivoiriennes et surtout à permettre que les dépenses des ménages soient réduites. Parce qu'avec ces facilités de transport offertes, on rallie facilement d'un point à un autre tous les trajets qu'on veut réaliser. Mais en même temps, ça donne un aspect moderne à la ville d'Abidjan. Monsieur le Premier ministre, le tronçon à Djamé, la mairie d'Adjamé pour sapeurs-pompiers, comment vous allez régler ce problème? Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan.